C'est quoi ton prénom? Maxime. Non, je sais pas si ça tourne. Non, ça tourne. T'en penses quoi, Maxime, de cet accueil? C'est pas trop mal. C'est assez intéressant. Ça nous apprend pas mal de choses sur le monde de la vidéo. Donc c'est pas mal, ouais. Le journalisme, ça t'intéresse? Pas spécialement, mais juste j'ai trouvé ça cool. Ok, merci Maxime. T'es encore là demain? Oui. Merci Maxime. On est avec Romane, pas Romaine. Effectivement. T'en as pensé quoi de ce matin? C'est intéressant, c'est des trucs que j'ai jamais fait dans ma vie, du coup c'est amusant d'essayer ça. Moi ça me fait marrer. Le journalisme, ça t'intéresse? Un petit peu, ouais, j'y ai pensé quand j'étais plus jeune, parce que j'aime beaucoup écrire, mais je pense pas que je travaillerai là-dedans. Ça t'a... T'as trouvé ça intéressant d'interviewer le chef d'entreprise? Ouais, c'était difficile à faire, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Il avait des trucs à dire et tout, et c'est un exercice que j'avais jamais fait, donc pourquoi pas. Stressant ou pas? Ouais, beaucoup. Et là t'es encore stressé? Non, ça va mieux. Donc t'es prête pour la suite? Ouais. Merci Romane. Y'a pas de quoi. Et on est avec Denis de Montgolfier. J'ai pas fait de... c'était comment ce matin? C'était une bonne entrée en matière. Ils étaient 7, ils sont motivés, très à l'écoute. Et ils ont envie d'expériences humaines, de contacts humains, de personnes qui les tirent vers le haut, qui leur apportent des fondamentaux comme quoi leur vie va être belle. Ils vont pouvoir construire quelque chose de beau parce qu'ils ont déjà du talent, parce qu'ils sont ici. Parce qu'au lieu d'être ici ou là un 8 juillet, ils sont venus ici pour apprendre avec des professionnels de la mission locale et des intervenants. Donc ce matin, ça a été riche parce qu'on a passé une matinée ensemble. Que j'essaye avec conviction et modestie de transmettre, c'est la curiosité de l'autre. Pousser, ouvrir une porte et regarder ce qui se passe derrière. Questionner l'être humain qui dirige un magasin, une entreprise, ou demain aller interviewer l'écrivaine avec du talent de Bourgoin qui s'appelle Florence. C'est ça ce que j'aime. On va ouvrir la porte de Florence, cette écrivaine, ou Pierre Martinet le matin, et on va tenter de comprendre ce qui fait ses fondamentaux, son humanité, son talent. C'est ça qui, moi, me semble important. Mot pour la fin, si t'as envie. Une citation, tiens. Tout ce qui vient au monde, ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni patience ni égard. René Char.